Salut tout le monde, c'est Spock22, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Killing Floor avec notre cher ami Fufu dans la nouille. Voilà, c'est ça. Et on est aujourd'hui pour la présentation de l'événement Hillbilly Horror Event, qui est donc l'événement d'Halloween de ce Killing Floor. L'année dernière, nous avons donc pu avoir un événement Halloween qui nous permettait d'avoir ce personnage, le poulet. Il n'y a pas l'air de perdre, on est mal barré. J'avoue, le poulet. Et cette année, on a déjà plusieurs nouvelles choses, des armes, des trucs comme ça. On a... Il reste combien d'ennemis, je vois pas. Bref. 19. Ok, d'accord, donc j'ai le temps. Donc on a un contenu payant, un nouveau contenu payant qui rajoute ce personnage, le Chickenator. Et on peut débloquer un nouveau personnage à la manière du Père Noël. On peut débloquer le Reaper, que je vais prendre d'ailleurs pour fêter l'événement. Donc, j'ai monté des perks et on va montrer un peu en quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que cet event? Déjà, il rapporte cette nouvelle map. Oh, tiens, en plus, vu qu'on est spectateur, on va en profiter. Donc, cette nouvelle map, je vais essayer de parler normalement. Alors, c'est un événement, donc, d'Halloween. Donc, en tant que tel, Tripwire, les développeurs du jeu, se sont inspirés de différents films d'horreur classiques, type Massacre à tronçonneuse, La Colline à des yeux, et j'en passe, pour faire ses mobs et sa map. Donc, la map, comme vous voyez, est une ferme, avec des déchets toxiques et tout ça. Avec une maison, donc ça rappelle vraiment la maison de Massacre à tronçonneuse. L'idée est là, on verra pourquoi plus tard, avec les mobs. Nouille. Voilà, c'est ça. Nouille. Et donc voilà, c'est la map. Et on a donc nos zombies spéciaux. Donc là, le Bloats, qui est transformé en une grosse. Donc Massacre à tronçonneuse. Dans Massacre à tronçonneuse, il y a un personnage féminin. C'est une grosse, voilà. Donc c'est une petite référence à Massacre à tronçonneuse, donc la marchande comme d'habitude. Non. Non. Non, 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 c'est quoi ça? Non, on a pas le droit. Bon, c'est pas grave, on a eu le temps de présenter la map. C'est pas grave, on va gérer sur Bedlam. Non. Donc Bedlam, la map d'Halloween de l'année dernière. Bande d'enfoirés. Ouais, mais je vois pas pourquoi ils ont changé la map comme ça, là. L'admin, culé. Ouais, on s'en fout, allez. Et on est putain. On va jouer sur Bedlam. Ouais, mais Bedlam, elle est pas lumineuse. C'est nul. Fait comment? On fait une ellipse et on va sur notre serveur ou on continue? On change de serveur. Il y a que les tirs d'élite. Et ta mère. Ok. Donc alors, petite ellipse les gens. À tout à l'heure. Où c'est que c'est le bouton? C'est là. Petite ellipse. Donc nous revoilà sur un serveur vide. Hellbelly Horror. Donc le nom de la map. Difficile. Oh l'enfoiré. Bon, si on perd, c'est normal, c'est en mode difficile, et je filme avec frappe, donc je me suis bridé à 30 FPS. Bon, Fufu va prendre le Reaper pour vous montrer l'aspect extérieur de ce skin. Quant à moi, je vais prendre le Chickenator, parce que, voilà, c'est Terminator en mode chicken. Vas-y, lance la partie. Oui. Donc, rapidement, nous pouvons voir que le Reaper... Arrête-toi deux secondes. Le Reaper fait donc la mort, mais il a une particularité, il lévite, il n'a pas de pied. Et sa deuxième particularité, c'est qu'il laisse un nuage de fumée derrière lui, donc c'est la classe. Et gratuitement. Je suis beau gosse. Voilà. Donc nous voici donc sur les zombies de base. Donc les clothes de base. Mon dieu. Luc. Qui sont en fait des un problème. Des êtres humains, vas-y. Donc, comme vous voyez, je vous avais dit la grosse. Arrête. Voilà la dégorphase. Donc en fait les gorphas c'est des vieux fermiers avec leur banjo. Meurs dans la barrette. Meurs dans la barrette. Meurs. Non, si je meurs avec mon arbalète, je m'en fous, je respawn avec une autre. Mais là je lag. Eh, je suis à 20 FPS mec. Bon, attendez, petite ellipse, le temps de changer un truc dans mes graphismes parce que là, c'est pas gérable. Il fait tous les trucs de ma vie. Fufu est mort, manche une, il restait 13 zombies. Bravo, Fufu. No comment. Allez, c'est parti, les gens. Donc, nous voilà une game, donc on revient de lancer une partie, on a fait les cons. Cette fois, on meurt pas. Du moins, on va essayer. Si j'ai dû baisser la résolution du jeu pour que ça passe en 30 fps sur YouTube. Mais c'est violent quoi. C'est moche. Ah c'est moche, ouais, mais j'ai pas l'habitude de jouer en 1400 sur Killing. Ah mon dieu. Je joue toujours en 1920 sur Killing Floor moi. Moi j'aime pas jouer en 1900, mon écran il supporte, mais c'est moche. C'est ton ordi qui supporte pas. Non mais il supporte, mais c'est moche, j'aime pas. En 1920 du coup, ouais. Ah mais c'est magnifique le jeu en 1920, arrête. Du coup j'ai joué en 800 par 600. Non, t'es sérieux? Ouais, c'est bien. Tu le sais. Grenade. Donc comme vous voyez,
les zombies de base, donc c'est des fermiers, hein, logique. Les gore fast, donc les zombies qui sont un seul, qui sont unibratistes, je sais, uni-armes, voilà, comme ça, uni-armistes. Et ben ils ont un banjo, ils ont un seul bras et un banjo, voilà, c'est beau le banjo. Les grosses, enfin les gros, les bloats, c'est des grosses, voilà. Et on verra les prochains aux autres manches. Dommage, faut au moins arriver à la manche 7, quoi. On va avoir du mal d'arriver au moins à la manche 7. Mais non, avec le talent. Mais ouais. Je vais représenter vite fait les armes payantes. Donc, vous avez entendu, armes payantes. Oui, avec cet événement vient un nouveau DLC, donc un DLC d'armes payantes. Un DLC d'armes à 5 euros. Qu'on peut voir, je vais changer de perk juste pour le style. Je vais prendre le commando pour prendre une nouvelle arme. Donc, alors, on va déjà prendre cela. Alors, voici une des nouvelles armes, le Tommy Gun. Donc, ça, c'est dans le pack payant à 5 euros. Dans le pack payant à 5 euros, nous avons le Flare Gun et le Dual Flare Gun. Nous avons également la Sainte, l'arme de la mort, ainsi que le Buzz Sobo. Il est où? Le Buzz Sobo, qui est une arbalète qui tire des disques circulaires, qui est assez sympa. Prochainement, nous verrons les armes gratuites incorporées par cette mise à jour. Car il y en a. Il n'y en a pas. Si, il y en a. Ils sont bien. Non. Si. Petite ellipse. Ah oui, non, faut leur montrer les nouveaux zombies. Donc, comme vous voyez, j'ai la Tommy Gun. Donc, c'est une nouvelle arme dans le pack payant. Donc, cette arme est payante. Vous ne l'aurez pas gratuitement si vous achetez le jeu. Vous devrez payer. Moi, je dis gratuitement. Oui, parce que moi, je te la paye et je te la donne. Comme vous voyez, donc c'est une arme assez puissante avec un recul quand même relativement conséquent. Les crawlers sont assez jolis parce que, enfin assez jolis entre guillemets, la conception du crawler est assez bien faite parce que c'est un vieux qui s'est fait écraser par une bagnole dans le trailer et donc c'est un vieux coupé en deux qui rampe vers nous. Voilà, c'est mignon, c'est moignant. Comme vous voyez. Allez, pique mes zombies, je dis rien. Les invisibles, bah c'est des... C'est des ados. Ouais, non, mais on peut dire ça. Le Yusk, c'est un mec qui a un lance. Enfin, c'est un fermier. Ou un bûcheron, je sais pas. Qui a un lance. Un lance fireworks, donc feu d'artifice. Attaché au bord. Gare, quand je monte, c'est beau, gare. Mec, je suis à 24 FPS, j'ai pas l'habitude de jouer à King Floor comme ça. Ah, j'ai mon ordi qui est super chaud en plus là. Nouille, derrière toi. Ah, nouille. Un plat de nouilles. Putain. Quand même, on est en normal et on gère bien. Non, difficile. On est en difficile, on gère bien. Si vous ne croyez pas, difficile en haut. En haut, c'est à deux, c'est mieux. Il y a des joueurs qu'on rejoint. On va les faire acheter. Donc, il y a un mode semi-auto sur cette arme, mais attends, laisse-moi le faire. Comme vous voyez, le mode auto, le bruit, et le mode semi-auto, on dirait un lanceur de clous. Personnellement, je suis fan de ce bruit. Sproch. On a l'impression qu'on leur lance des clous. Non ! Je vole les kills ! Oh ! Merde ! Et on va changer de classe pour montrer les armes gratuites. Commando, MKB. Ah oui, MKB, tiens. Bah, je vais pas rester sur le commando. Je vais changer, je vais passer en logistique. Quoique non. Je vais rester en commando et je vais prendre le MKB. MKB, donc c'est une STG-44. Hein. Donc encore une deuxième arme de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avons... du côté pyro, nous avons le trench gun, donc un fusil à pompe de la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, ça fait 3 ans de la Seconde Guerre mondiale en une mise à jour, c'est pas mal. C'est un fusil à pompe qui tire des balles incendiaires, donc c'est assez sympathique. Non. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le Vlad l'Empaleur, donc c'est un pistolet à clous. Les clous rebondissent sur les murs, ce qui rend la chose assez sympathique. Et c'est tout. C'est en pâle, c'est très sympa. Ouais, c'est Vlad l'Empaleur, c'est pour ça. Donc ouais, j'ai le... Pourquoi c'est Vlad? Le MKB. MKB 42. Avec pourquoi c'est Vlad? Pourquoi? Parce que Vladimir. C'est cool. Pourquoi
Contrairement à la Tommy... Ouais, je sais. Contrairement à la Tommy Gun, cette arme est nettement plus gérable, beaucoup moins de recul. En gros, le gratuit c'est mieux. Ouais, bon, c'est peut-être le seul exemple négatif. Hein. La Tommy Gun, c'est la moins bonne arme de ce pack. Mais franchement, les packs, je vais le dire dans une de mes vidéos, j'ai déjà dit, je pense. Mais les packs de Killing Floor, les DLC de personnages et en ce moment les DLC d'armes, c'est vraiment si vous aimez le jeu et si vous voulez soutenir les développeurs. Moi personnellement, j'aime le contenu que nous offre Tripwire parce que cette map, pour moi c'est la meilleure map de tout Killing Floor. Après, certains pourront dire que c'est faux, qu'elle est moisie, qu'elle ressemble à une map custom. Moi personnellement j'aime cette map. On a la sirène, en fait la sirène c'est une vieille. Voilà. La sirène c'est une vieille en robe de chambre qui nous gueule dessus. Comme le font toutes les vieilles. Je veux dire. Non, c'était pas un troll envers vos grand-mères. Non. She's been alive. Ah. Donc voilà. Moi, j'achète les contenus de King Floor parce que je soutiens les développeurs. Et en achetant les contenus, vous leur permettez de faire de meilleures mises à jour. Et donc encore des skins magnifiques comme ça et tout. Moi aussi, j'achète les comptes du King Floor. Ouais, on va dire ça. quand c'est des tickets ou bien quand c'est en promotion. En promotion, c'est vrai que là en ce moment, King Floor, là au moment où passera cette vidéo, ce sera plus en réduction, mais c'est non, pas sûr, je vais pas l'uploader avant la rentrée, je pense. Hein. Oh putain. Bref, 5€. Ah là en ce moment, King Floor était à 5€ avec tous les packs dedans, tous pour 5€ au lieu de 20€ et quelques. Ouais, 6 points de vie, 8 points de vie. Ouais. T'es mort. Non, mais c'est pas une question, t'es mort. Manche prochaine, je vais passer en crame tout pour vous montrer et le flare gun. Le flare gun ainsi que le trench gun. Je prends le flare gun akimbo ou le flare gun normal? Normal, c'est mieux. Ok. Parce que le flare gun qui est quand même vachement bien. Le trench gun qui est génial aussi. En fait, toutes les la moitié des armes qu'ils nous ont proposées pour cette mise à jour sont OP. Ouais, sont OP. Mais la catégorie d'armes les plus OP de cette mise à jour, c'est les armes du Berserker. Non, du Berserker. La Sainte et la Buzz Sobo sont des armes complètement... Putain niveau 3, tuer en un coup un Skrek, donc un zombie avec une tronçonneuse. Tuer en un coup un Skrek avec un disque circulaire de la Buzz Sobo. Un zombie. C'est quand même pas mal. Donc alors, on a le Trench Gun. Clac. Et on a le Flare Gun. Les gens ils s'achètent un Kevlar, les gens. Donc on a le trench gun, donc c'est un... Ouais, je vais aller plutôt à la lumière. C'est un fusil à pompe. Il est très très beau. Franchement, ce fusil à pompe est vraiment très très joli. Il tire des balles incendiaires, comme on peut le voir. Et l'animation est vraiment très belle. Le flare gun, lui est un peu moins beau de derrière. Sur l'image, il est beau. Il est beau. Sur l'image, il est beau, mais de derrière, ça fait un peu trop rond pour moi. Il y a un magnum. Je sais pas pourquoi, ça fait un peu trop rond pour moi. Par contre, quand il tire, c'est... C'est la beauté à l'état pur. 50, en fait. Ah oui, faut que je le soigne. Putain, oh putain. Vous voyez, elle est quand même vachement OP, cette arme. Ah bah, par contre, faut pas rater ses tirs, quoi. Il y a un petit effet de zone, en fait. Ça produit une légère explosion qui enflamme les ennemis à proximité. C'est bordant, je dis. Ah, il est crevé, moi. Non, non, retour Windows, Skype à la con. Excusez-moi, encore retour Windows dû à Skype. Faut vraiment que j'arrête de mettre Skype pendant que je suis en vidéo. Ah. Ouais. Et moi, non. Ouais, bah et toi, oui. Faut que je m'en occupe en fait, sinon je vais recevoir des messages Skype à la con et ça va pas le faire. À la prochaine manche, on va avoir une référence à Massacre à tronçonneuse et à Saut. Parce que, bon, je vais vous expliquer. Le Skrek, donc le zombie avec la tronçonneuse à la main, est une référence directe à Massacre à tronçonneuse, parce qu'il a une tronçonneuse, mais la référence de son skin vient de Saw, parce qu'il a une tête de cochon,
comme dans Saw, le personnage qui kidnappe les victimes de Jigsaw, le tueur au puzzle, a un masque de cochon. Donc voilà, c'est une référence à Saw. C'est pas du clin, c'est Khalouf. Ouais, c'est Khalouf. Ah, c'est mal. Mais tu me fais une jambe. Et donc, je rappelle que le skin du Reaper, celui que Fufu a, est entièrement gratuit. Il suffit simplement... Ouais. Il suffit simplement de faire les succès d'Halloween, comme tous les succès, hein. Voilà. Parmi ces succès, il faut trouver et détruire les 25 gnomes qui sont entreposés sur la map Hill Valley. Donc, les gnomes, comme par exemple, je vais vous montrer un, celui-là. Là, vous le voyez. Bien joué. Voilà, ce gnome là. Je vais vous en montrer un peu plus visible, qui se trouve ici, le gnome là. Donc il vous faut en trouver 25 et faut leur tirer dessus pour libérer leur âme. Vous voyez, on en a rien. Donc, personne n'a rien fait. On va sauver Gollum. Il en reste encore 19. Donne-moi. J'ai mal. Ah, c'est moi, j'ai encore pas de mal. Ah, je recharge. C'est moi, j'ai mal. T'as mal. Je veux juste te soigner, pas te chatouiller. J'ai été mal. Et je vais passer en berserker pour montrer la buzz sobo et autres. On fait un bébé. Non. Non, désolé, je refuse. On l'appellera Nouille. Passe-moi du fric, s'il te plaît, j'ai pas assez pour la sainte. NTM. Hein? NTM. Attends, je me prends déjà mon sniper. Ouais. Faut donc combien? J'ai un boss sobo. Bah, il me faut 600 et quelques. Enfin, parce que t'as. Quoi? T'as rien? Oh, mais tu viens de t'acheter ton sniper, t'as rien en même temps. Oh. Mais si, j'ai assez, mais. Donc, je vous présente la boss sobo. Donc, c'est une arbalète qui tire des disques circulaires, comme vous voyez. Ouais. Et la sainte. Oh yeah. Donne-moi la dose de fric. Il manque 300 en fait là. Donc la sainte, donc il est une four. On va. Je vais montrer un peu ces deux armes. Je me couvre hein. Hop, et c'est parti pour les zombies. Moi j'ai pas d'armes. Voici les zombies, donc la buzz sobo c'est ça. Fais pas le con avec mon fric. Ah, les couleurs sur les murs et vous pouvez après récupérer le disque si vous le retrouvez. Ce qui m'étonnerait. Ce qui arrive de façon très très rare. Soigne-moi, j'ai mal. Soigner. Bon. Je vais prendre la faux pour leur montrer un peu ce que c'est que d'être la mort. Il va mourir le monsieur. Parce que c'est quand même faut dire que c'est quand même stylé de se ramener avec le skin de la mort et la faux. Ça inspire le respect. Je rappelle que le buzz sobo et la faux font partie du pack payant de ce jeu. Et je vais mourir. Je vais mourir et je suis mort. Voilà. Bon bah je suis mort. Mais t'attends. Ouais, je pense que ça va pas être possible de voir le Skrake ni le FP. Donc pour vous donner une idée, le Skrake c'est un gros mec avec une tête de cochon et une tronçonneuse à la main. Et le FP c'est un fermier qui fait 2 mètres de haut, qui est baraqué, qui est habillé que d'une salopette bleue et qui a deux truelles à la place des mains et des phares de tracteur sur les épaules qui sont jaunes et qui deviennent rouges quand il est vénère. Voilà. Comme le FP de base. Ouais, t'es tout seul, t'es mort, cherche pas. Oh, j'entends mes disques. Comme vous voyez, les bruits des disques font un... Ouais. Les disques du buzz sobo font un bruit particulier. Ce qui vous permet de les repérer quand vous êtes proche d'eux. Pour les récupérer. Je crois que tu vas mourir, Fufu.
Un crawler. Un crawler. Mais t'as pas une autre arme? Ah si. C'est pas judicieux de prendre le M99, vaut mieux prendre l'arbalète ou le M14, mec. M99 faut le sortir pour le Patri ou pour les FP. Donc le Patri, j'ai oublié d'en parler, le Patriarche est une référence directe également à Massacre à la tronçonneuse, où le chef de la famille Massacre à la tronçonneuse, c'est un fermier qui a tué un shérif pour prendre ses vêtements, pour se faire passer pour un shérif et donc ainsi amener des victimes chez eux. Donc le Patriarche, comme vous l'aurez deviné, c'est un skin de shérif. Il y a une légère référence à Alien car il y a un cobra qui lui sort du ventre, en référence aux aliens qui sortent du ventre de leur victime. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré ni le Skrek, ni le FP, ni le Patriarche. Mais vous avez vu dans les grandes lignes ce qu'était cet événement Halloween, qui est un très bon événement. En attendant l'événement de Noël qui, j'espère, nous réservera des très bonnes surprises, des nouvelles armes, une nouvelle map, peut-être un nouveau personnage, on ne sait pas. Tripwire va tout faire pour qu'on ait une très bonne mise à jour. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Nous revoilà une game, on attend Fufu. Et donc, je vais finir cette vidéo sur Fonderie, la map. Je vais faire une légère ellipse juste pour vous montrer le Patriarche, le Flashpond et le Skrek. Donc vous n'aurez que très peu de gameplay sur cette partie-là. Vous aurez simplement la vision de ce qu'est un Skrek pour un événement Halloween, de ce qu'est un Flashpond et de ce qu'est le Patriarche. Et peut-être un peu de gameplay. Bon, je vous dis à tout de suite les gens, à tout de suite. Et donc nous revoici dans King Floor car il y a un Skrek juste au bout là-bas. Je vais vous montrer un peu la puissance du Buzz Sobo. Donc comme vous voyez, je vous ai dit que le Skrek était un... Fufu. Merde, on n'a pas eu le temps de le voir là. J'ai pas eu le temps. Mais non, on n'a pas eu le temps de le voir. Oh, méchant. La puissance du boss ball. T'es méchant hein, avec les Skrek. C'est pas gentil. C'est pas le nombre de pas qui m'ont fait souffrir. Mec, cette époque irrévolue maintenant. Bref. On se retrouve pour le prochain. On se retrouve pour le prochain Skrek, à tout de suite. Et puis j'ai gagné. Oui, oui, oui. Il revient par le bas. Ah, il est en bas. Il revient par en bas là. Attends, ça fait quoi si je tire là? Je sais pas où il a volé, mais il a volé. Si je tire là. Vas-y, j'ai raté mon tir. Ah, il a coupé. Merde. Bon. Donc, j'entends un Skrek, mes chers petits amis de YouTube. Flashpoint même. Oh bah, j'entends. Bah, il y a un flashpoint, donc il est où? Il est où? Il est où? D'accord, j'arrive. On voit une lumière jaune là-haut. C'est magnifique. Je suis sûr que si je tire, je peux le tuer. Non. Oups, j'ai raté. Même. Je vais te laisser le tuer si tu veux, mais... Faut bien voir qu'on le voit. Regardez, donc c'est un fermier avec deux truelles dans les... Voilà. Donc c'est un fermier avec deux truelles à la place des mains. C'est un fermier. Quoi? Où j'ai vu que c'était un fermier? Mec, il a une salopette. Mais non, mais non, c'est un fermier maintenant, c'est plus un fermier maintenant. Et donc on a bon, deux Skrek, je m'en fais un. Oh, bitch. Merde, j'ai raté. Oh dear. Approach, one shot. Comme vous voyez, le Buzz Sobo est vraiment très puissant. C'est moi qui one shot le Skrek avec la tête là. Hein. Non, moi aussi je one shot maintenant. Oh. Attends, en débutant. Oh, aussi peut-être. Mais même en normal, je les one shot. Oh. Voilà, quand il est parti au deuxième étage, mon machin. Retiens-moi. Il arrivait là-bas. Et il a... Oh, mais ça vole, ces machins-là. C'est impressionnant. J'aime comment ça vole, ce truc. On va marchant. Pour la marchande. On se retrouve pour le Patriarche, les amis. Nous sommes en présence de 2 FP. Nous allons voir un peu ce que ça va faire. Ça va faire... Boum. Boum. Et voilà. Bon, on est en débutant, donc il n'y a pas trop de mérite.
Mais c'est voilà, 2 FPS, c'est magnifique. On se retrouve pour le patriarche. Nous voici donc à... Nous voici donc à la manche du patriarche. Nous avons la dernière arme de ce pack, le pistolet à clous, le Vlad l'Empaleur. Donc il y a un tir spécial, une lampe torche. C'est magnifique. Et nous avons le patriarche. Donc c'est un shérif qui a un cobra dans le ventre, référence à Alien et à Massacre à tronçonneuse pour le shérif. Donc il est juste en bas. Coucou. You. 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 Oh, esquive. Oh, 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 beauté le cul. Oh, vas-y, dégage. Crève. Oh yeah. Et donc, c'était... Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du... de l'event d'Halloween de Killing Floor. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Halloween et de très bonnes fêtes de fin d'année. Même si c'est pas bon maintenant. Salut tout le monde. Fufu, un petit mot avant de partir. Ouais, police, d'accord. Fuck la police aussi. Allez, c'est tout le monde.